Yo tout le monde, c'est Adraes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo face cam avec Lizuka. Bonjour. T'es pas à l'aise? franchement, il y aura zéro cut, on va garder ça avant longtemps. Du coup, tu sais pas pourquoi je t'ai fait venir chez toi pour la, pour la vidéo. Merci de me faire venir chez moi. C'est un concept, tu sais que ça tourne autour de Jujutsu Kaisen du coup. Tu connais pas trop le manga, connais 2-3 personnages, 2-3 trucs, mais tu connais pas l'idée. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire faire les gestes qu'ils font dans les extensions de territoire. Sachant que, autant te dire, il y en a des très faciles, il y en a des très durs. Okay. Voilà. Et je vais te montrer l'image, tu devras le reproduire, d'accord? Okay. Dans un temps assez court. T'as pas 4 minutes pour faire les gestes, quoi, d'accord? Ouais. Et quand je dis stop, tu devras rester dans la position que t'es. Et maintenir, et je ferai une magnifique capture d'écran, d'accord? Ok. Ok, ouais. On va commencer par du simple, d'accord? Alors, commencer par vraiment du très facile. On va commencer avec celle de Gojo. Eux l'auront à l'écran, toi tu l'as devant toi. Tu vas devoir reproduire. Ah, t'es pas obligé de te tenir le col. Ça c'est vraiment pour le... parce que c'est pour flexer. Ouais bah je flexe. Ah, on est pas trop sur ça hein. On est plus droit hein, quand même hein. Là c'est Satoru pauvre Jo. c'est validé ou pas? T'as le droit de répondre. Ouais, c'est validé. C'est validé, d'accord. C'est validé. Il a pris une voix grave là? Ouais, il a pris une voix très grave. C'est validé ou pas? Ok. Maintenant, la deuxième. Celle-là est trop compliquée. Il y en a une, tu pourras pas la faire toute seule. Okay. Pour des raisons de nombre de mains. Tu vois de laquelle je parle? Alors, la deuxième, qui va être plutôt simple, ça va être celle-là. Celle de Utah. Alors lui, il utilise 2 mains. C'est le seul qui en utilise 2. Qu'elle a réalisé la perspective. Ok, arrêt sur image. Alors là, c'est la fusion entre un boxeur et un mec qui... c'est pas la meilleure reproduction. Hein. Pourtant, je trouvais que c'était la plus facile, mais... une autre, on reste toujours dans le simple et après on va augmenter la difficulté, je te préviens. Celle de Akari. Et pareil, 2 mains, mais elle est vraiment facile. Celle-là, c'est la plus facile. Il a plus la main tournée comme ça. Ouais, c'est bon. Parce qu'elle s'est vue du bas, tu vois ce que je veux dire. Ouais, d'accord, ouais, ok. C'est validé? C'est validé. C'est validé. Je montre à l'écran pour qu'il voit. Je prends des planches du manga, hein, parce que voilà. Maintenant, on va attaquer le compliqué. Là, dis-toi que, en fait, il y a un écart. Tellement que c'est compliqué. Oh non, donc celle-là, elle est une dernière facile. Celle-là. Vraiment, c'est Wakanda Forever. Hein. Non, faut oublier d'ouvrir la bouche. Franchement, là, le watch time vient de s'écrouler. Hein. alors là, il y en a plusieurs, mais tu vas te concentrer sur celle qui est en haut à gauche, celle de Megumi. Non, ouais, c'est pas mal, c'est pas trop mal. Vas-y, montre un petit peu, lève un petit peu, baisse, enfin tu vois, comme ça, ouais, d'accord, ok. Maintenant, tu vas nous faire celle qui est juste à côté, que je trouve, celle de Diogo. Ok, donc... Je m'entraîne avec toi parce que c'est compliqué. Hein. Elle est pas facile. Hein. Il a les mains en arc de cercle. En plus, c'est un manga. Donc, la t'as vu, les pouces se touchent, mais pas les petits doigts. Les petits doigts, c'est ceux qui sont noirs. Ah merde, ah oui, en perspective. Merci. Ouais. Celle de Diogo, elle est à peu près comme ça. En fait. De ce qu'on vous montre. Hein. Je mettrai sûrement un petit truc encore une fois. C'est ça montrer. Un peu. Ben franchement, ouais, ça le fait. Après, tu peux pas avoir les mains aussi rondes qu'un personnage animé, mais ça le fait. Maintenant, nous allons passer sur celle de Sukuna, celle qui est juste en dessous, qui est une des plus emblématiques. Et franchement, ça va. Attends, faut que j'arrive à voir sur les pouces. Ok. Donc là, on est en carré. T'imagines une extension du territoire Oula, oula, où ça sombre. Bah alors, en réalité, c'est un peu plus comme ça, du coup. Et il y en a 2 au milieu. Ouais, il y en a 2 au milieu. Après, de ton angle. Sur la photo que je t'ai donnée, c'est vrai que c'est pas obvious, mais là on voit qu'il y a 2 doigts. Ok. Et du coup, au fond, c'est. Donc là, je suis bien là. Là, t'es pas. Et franchement, Ryumen Sukuna. Merci. Voilà. Je me ferai bientôt. Ça, j'aime bien le concept. T'aimes bien le concept? Ouais, c'est vrai. Il y aura une deuxième vidéo avec les 10 ombres de Megumi. Tu sais, c'est quoi le jeu des ombres? Tu sais, c'est quand tu t'amuses à mettre une lampe devant tes mains, tu fais des signes et ça fait une ombre sur le mur. Megumi, c'est son pouvoir.
Il y en a 10, dont qui sont, il y a des cerfs, des taureaux, des loups. Ouais. Le loup, je crois que c'est plus facile. Maintenant, on va passer à Naoya. Celle de Naoya, qui est vraiment pas si compliquée que ça. En soi, on a l'impression, mais elle est pas si compliquée. Alors. Franchement, l'astuce, c'est toujours commencer doigt par doigt et de valider. Franchement, c'est validé. C'est validé. Ouais. C'est validé. Après lui, il a les doigts. On a l'impression que ses doigts, les doigts du bas, ils sont hyper. Il est comme ça, tu vois, limite. Spider-Man. Ok, d'accord. Donc jusqu'à là, on valide. En fait, celui qu'on a le celui pour l'instant qu'on n'a pas, on n'a pas trop validé. Hein. Maintenant, tu vas nous faire celle-là. Celle de Maito. Il a deux mains. Il a deux paires de mains. Ouais, d'accord. Et moi, je vous les invente mes paires de mains. Tu vas les inventer tes paires de mains, je pense. Okay. Regarde, ils sont là ces deux mains. Du coup, tu vas d'abord commencer par celle du haut. Je vais montrer un peu à la caméra, mais je mettrai une image de toute façon. Et du coup, celle du bas. Les pouces sont au fond. Hein. Dis-toi qu'ils sont toujours vers. C'est faut que tu imagines que c'est le personnage qui est au fond. Du coup, je suis pas moi. C'est-à-dire que là, dans tes panneaux. Ah, tu veux que je fasse celle-là maintenant? Ah, t'as commencé par celle du haut, ouais. Bah, dans ce cas, maintenant, ouais, celle du haut est validée. Celle du bas maintenant. Ok. Franchement, elle est pas compliquée du tout celle de Maito. C'est juste qu'il a 4 mains. Alors, si. Dédicace à tous ceux qui ont 4 mains. Comme ça? Si vous êtes. alors, moi, je te dis comment je la vois. Je la vois carrément plus comme ça. Parce que là, regarde son pouce, on voit qu'il est avec un doigt qui est au fond. Donc, comme ça. Il est plus comme ça. J'aurais cru que c'était les petits doigts. Ah non, bah non, justement, les petits doigts sont là. Les pouces, ils sont vers lui. Tu vois ce que je veux dire? Là, on n'a pas le point de vue de Maito, on a le point de vue de celui qui est en face. Donc les pouces sont forcément vers lui. Il n'y a pas les pouces à l'extérieur. Mmh. Voilà. Mmh. Maintenant, une qu'on a trouvée extrêmement compliquée. Non, elle est pas mal aussi. Elle est pas mal. Alors, elle est. Quoi là? Je vois rien. C'est ses deux mains. J'ai plus les blazes, mais c'est dans les scans. Comment il s'appelle? C'est un exorciste du passé. J'espère qu'on spoil pas trop les gens. Tiens, c'est... Le spoil de ouf. C'est un peu seul. Ouais, mais alors, ouais, il est vraiment pas facile. Parce que lier les deux pouces, tu sais. Maintenant, étonnamment, on va finir avec celle que nous on a trouvé la plus compliquée. À juste titre, c'est celle-là. Infaisable. Celle de Kenjaku. Infaisable. On a testé. On a fait des tests. Elle est là. Et là, c'est le début et après il montre comment il fait. Okay. C'est quasiment infaisable. Tu vas voir avec tes pouces, tu vas te rendre compte que. Genre dans le monde, il est tout recroquevillé, non pas du tout. On y arrive. On va y arriver. Bah, et c'est pour ça qu'il utilise qu'une fois tous les 100 ans, il a de l'arthrose après. Parce qu'il est, il est tout cambré. Là, je confirme, j'ai une douleur dans le dos. Là. Non, mais... franchement, c'est infaisable. T'es obligé de faire comme ça. En plus, il a les mains arquées. Donc, si tu veux vraiment faire, je crois que c'est comme ça. Au mieux. Et encore, il a les mains bien droites, lui. Hein. Ouais. C'est vraiment pas la plus facile. Et ben, franchement, honnêtement, je pensais qu'il y en a que tu n'y arriverais pas du tout. Mais t'as réussi. Et du coup, on pourra peut-être. Mais je suis la meilleure. On va couper le monteur moi-même. On va... En plus, t'as dit je suis la meilleure de la même manière que Gojo le dit dans l'épisode 5. C'est vrai? Ouais. Mais c'est normal. Quand il le dit à Diogo. pas sûr de l'info. Pas sûr de l'info. Mais du coup, est-ce que tu seras tenté pour faire une partie 2? Bah oui, mais toujours. Ombres. Toujours. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Bah ouais, on essaiera de prendre le spot pour vraiment éclairer un mur et faire avec. Les 10 ombres. C'est quoi ce que tu as fait? J'essaie de faire le loup. Ah, le loup il a changé. Voilà, bah écoutez, merci, j'espère que si ce concept, si vous a plu, je pourrais essayer avec d'autres personnes, peut-être des plus gros galériens. Si ça a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et un commentaire sur ce qu'on pourrait faire à deux, et ciao.